Salut les copains, je suis Hijekild et bienvenue dans Trésor tombé du Cantar. Aujourd'hui, nous sommes dans le Kentucky et nous avons une très grosse propriété à fouiller. Nous trouverons très certainement beaucoup d'objets qui nous rempliront les fouilles. Allez, c'est parti. C'est une propriété complètement abandonnée. Oh, tiens, regarde la piscine. Rien qu'à la couleur de l'eau, nous savons que cette propriété est complètement abandonnée. Ça se voit. Viens, approche. Il ne fait pas bon nager dans cette piscine. Bah. Allez, viens, suis-moi. Cette bâtisse a très certainement été construite aux alentours du XVIIIe siècle et a été abandonnée, je pense, il y a une cinquantaine d'années maintenant. Oh, regarde! Un objet! Cette statue est très lourde, très ancienne. Elle doit valoir très cher. Oh, mais regarde, une cachette à haschich. C'est ici que les dealers remplissaient la statue et ça remplissait le fond. Mais là, apparemment, elle est vide. C'est dommage d'ailleurs. Mon estimation pour cet objet est d'environ 1000 dollars, 1500 dollars, vu qu'il y a aussi ces fleurs. Très importantes, les fleurs, pour une statue de cette qualité. Génial. Allez, c'est parti, on va voir ailleurs. C'est très certainement une maison hantée ici. Viens, ne restons pas trop ici. Il y a beaucoup d'araignées, de toiles d'araignées, de trucs en vrac. C'est très dangereux, il faut faire attention sur quoi on marche. Nous ne trouverons certainement pas d'objets ici, ça m'a l'air très ancien. Oh, mais génial! Regarde ça! L'un des tout premiers vélos de l'humanité. Avec ça, les gens n'avaient plus besoin de marcher. Et regarde! Il y a une signature ici. Ça prouve de son authenticité. Je dirais très certainement des années 70, 80. Allez, je vais essayer. On va voir si elle fonctionne encore. C'est vraiment, vraiment un très, très bel objet. C'est rare de tomber sur un objet comme celui-ci. Allez, c'est parti. Waouh! Ça fonctionne encore et c'est très amusant. Ah, les gens de cette époque, c'est vraiment quelque chose, hein. Je dirais aux alentours des 60, 70 euros. Waouh, super! Regarde, nous avons un authentique vase Ming ici. Nous pouvons déposer des géraniums et c'est un vrai. Je pense qu'il a une valeur approximative de 10 000 à 100 000 euros. Mais je pense que nous ne trouverons pas d'autres objets ici. Il est temps d'aller jeter un œil à l'intérieur. Allez. Waouh! Regarde! Un nain de jardin! Et il est signé celui-ci aussi. Nous sommes très certainement chez un artiste. Ah, malheureusement, il est scellé. Nous ne pouvons pas partir avec, c'est dommage. Super, c'est ouvert. Waouh, nous sommes vraiment ici dans une maison très très ancienne, très sacrée, qui n'a pas été habitée depuis plusieurs années, même peut-être plusieurs siècles. Ça se voit à la décoration, à la tapisserie. Très magnifique architecture. C'est vraiment bien fait. Très très ancien. Alors là, c'est une torche. C'est un instrument que les gens utilisaient à l'époque pour s'éclairer. Donc, j'estime environ son époque du 18e, voire du 17e siècle. Et elle est accrochée au mur, je peux pas l'utiliser. On va monter. Moi, j'aime fouiller les appartements, les maisons hantées vers le haut. Allez, c'est parti, on va monter. Alors là, j'ai trouvé un magnifique tableau de Léonard de Vinci, représentant très certainement le dernier repas du Christ. Mais malheureusement, ce tableau est vraiment trop gros et j'estime sa valeur,
Inestimable, très bel objet. Allez, c'est parti, on monte. Alors là, c'est la rose des glaces. Magnifique objet. Ah, malheureusement, c'est pareil, il est un peu trop lourd pour moi. Je vais le laisser ici. Trop, trop lourd. Regarde ce qu'on a trouvé là. Je pense que c'est la pièce qu'on cherchait. Avec, regarde derrière la porte. Ah, oh, je pense que c'est la clé de sol de Léonard de Vinci. Très belle clé de sol. Mais bon, malheureusement, apparemment, elle est cassée. Elle vaut pas grand-chose, quoi. Voilà, l'objet, elle est ici. Bon, on va passer à autre chose. C'est dommage. C'est dommage. On va ouvrir, ça mettra de la lumière parce qu'on voit vraiment rien ici, c'est un trou perdu. Waouh, mais regarde ce que j'ai là! Waouh, mais c'est une selle de radiateur! Waouh, très ancien objet que les gens utilisaient pour se chauffer l'hiver. Alors ils s'asseyaient ici et profitaient de la vue. Et pendant ce temps-là, donc ils pédalaient et c'est ce qui faisait que toute la maison était alimentée en chauffage. Ça leur faisait de l'énergie complètement propre, complètement bio. C'est un très très bel objet. Bon, malheureusement, apparemment, celui-ci est scellé. On va le laisser ici. Hein. Mais très très bel objet. Waouh, super de trouver ça ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, approche! Oh, Monsieur Burger! Eh, il est pas marrant celui-là! Ouais, il va valoir cher! Oups! Alors, Monsieur Burger, pour moi, a vraiment une estimation par rapport à l'artiste qui doit vivre ici d'environ 10, 15 euros au maximum. Hein. Ouais, faut pas chier loin. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Regarde! Une licorne! Waouh, c'est un très très bel objet, fait très certainement en pierre. Waouh, magnifique licorne, et ça fait bougeoir donc pour s'éclairer, très bel objet quand même. Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une pierre philosophale. Waouh, ah, c'est vraiment un objet en beau cristal, c'est propre, hein, mais ça vaut pas grand-chose, et ça, bon, ça c'est de la merde. Oh, super, un piano. Ah, approche, on va jouer une note. Je vais jouer Sodomie. Yeah! Oh, il marche encore, c'est génial. Oh, regarde, des pierres précieuses. Oh, ce sont des vrais. Attends, pour leur estimation, on verra plus tard. Hein. Génial. Oh, mais regarde, une super lampe kitsch des années 70, elle fonctionne encore. Donc à cette époque-là, il fallait mettre une ampoule. Et si tu veux, ça consommait énormément. Il y avait un fil. Et si tu veux, ne connaissais pas encore le sans-fil et le changement de couleur. C'est très très kitsch, c'est un objet, je pense, qui vaut entre 60 à 69 euros. Ouais, pas plus, hein. Avec ça, je vais réussir à ouvrir la porte qui m'a bloqué tout à l'heure. Tu vas voir. Allez, suis-moi. Alors non, cette porte est très résistante, elle est certainement faite en bois de chêne, un vrai bois de bois, donc très difficile à ouvrir. Allez, dommage. Waouh, je pense qu'on a déniché là le plus bel objet de la maison, un vrai tableau Montesquieu. Waouh, avec un cadre. Il est super ancien ce cadre, il doit valoir super cher, je pense que c'est ça que je vais embarquer. Bonjour. Merci pour votre participation à Tombé du Cantar. À bientôt. Alors, merci de m'avoir suivi pour le premier épisode, Trésor Tombé du Cantar. Alors, je repars avec un super tableau. Je pense que je vais pouvoir le revendre pour environ 1000-1500 balles. Merci, à bientôt.